viens de la Côte-Saint-André, c'était mon club formateur. Et je viens toujours d'avoir 18 ans et je joue demi d'ouverture. Léa Champon, mon club formateur c'est Saint-Marcelin, je suis au poste de 3ème ligne et je vais sur mes 19 ans. Dani Féléou, mon club formateur c'est à Wallis et Futuna, j'ai 19 ans et je suis au centre. Emma Poula, je vais avoir 19 ans, mon club formateur c'est Montmélian et je joue première ou deuxième ligne. En promo IMB, donc mon club formateur c'est à Bézil, je vais avoir 18 ans et je joue première ligne et deuxième ligne. Léa, ça fait quoi d'être l'un des clubs le plus représenté? On était 5 du club, donc ça veut dire qu'on est un bon club formateur. On était toutes dans la même équipe quand on a fait l'OPO, donc c'est plus facile pour se trouver. Flo qui est en 10, Tani en 100, donc forcément ça nous a mis plus de repères. Et voilà, donc c'était plaisant de jouer entre nous et pouvoir jouer contre d'autres filles aussi, de plusieurs clubs. Ambre, est-ce que tu as mis l'ambiance autant qu'à Grenoble? Bah en vrai non, enfin mais normal. Je trouve ça normal, etc. Parce que j'ai eu un petit débrief donc des filles. Parce que à chaque phrase, enfin, le coach ou la coach parle, je réponds toujours aux questions rhétoriques. Alors, bah, je dis toujours oui, oui, ben voilà quoi. Et là du coup, bah, je suis arrivée, elles m'ont dit donc hop, tu dis rien, etc. Et j'ai fait ouais t'inquiète pas, etc. J'arrive. Premier entraînement, j'ai répondu au tout. Mais bon, l'ambiance, on a fait avec Emma un blend test. Mm. Donc avec les filles, c'était trop cool. Ouais, c'était cool, j'étais pas. Avec Tani aussi. Ouais. Emma, Léa, vous étiez aussi en coloc à Toulouse. On n'était pas en coloc, on n'a pas choisi les chambres malheureusement. Ouais. Mais ça va, vous allez promener. Mais vous allez faire des promenades. En fait, on allait régulièrement en promenade et tout pour quand même pas perdre le contact. C'est leur petit rituel. À toutes celles qui ont changé de poste, pas trop dur l'adaptation. Alors Moi, je joue centre et du coup, j'ai joué 8 à l'OPO. Et bah. Trop bien! Ouais, ça va. Vas-y, raconte la suite. C'était un peu. Emma, ici à côté de moi, elle m'a dit qu'en douche, il n'y aurait pas de complète vu que je connais pas les touches. Et bah, première touche, c'était une complète. Et t'as Ali qui me regarde, qui fait. Qu'est-ce que je fais? Moi, je fais. On est rien, là, mais Et moi, bah, les mêlées, ça allait. Mais du coup, ça fait un petit moment que je m'entraîne pilier. Du coup, ça allait. Ambre! Toi qui es en t-shirt toute l'année, c'était comment le climat toulousain? Et trop bien. C'était l'été. Il faisait chaud. Ah ouais, donc trop bien, il faisait chaud, donc nickel. Hein. Claquer les chaussettes. Emma, raconte-nous le déroulé et le contenu du stage. On est arrivé, on s'est installé, tout ça. Après, on a eu un premier entraînement, je crois, l'après-midi. Ouais, on a eu l'amphi, un peu le briefing du stage, tout ça, comment ça va se passer, les objectifs, celles qui sont gardées, comment ça se passera, tout ça. Du coup, on a eu un premier entraînement, mais c'est des entraînements assez tranquilles. C'était plutôt pour essayer de commencer à comprendre le projet de jeu en défense, tout ça, surtout la défense. On a beaucoup travaillé la défense. Et après, le déroulé de la semaine, il y a 2 jours, le matin, on avait souvent un jeu au poste. Donc pour les avant, on avait touche et lendemain mêlée, les 3 quarts. Lancement et t'as qu'un div, je crois. Ouais. Voilà. Et l'après-midi, on avait généralement retravaillé la défense, des exercices, tout ça un peu. Il y a le vendredi qu'on a eu au pot, donc c'était vrai match. Et voilà. Et il y a eu le 7 aussi. Ah oui, il y a eu du 7 aussi. Avant, une petite partie de 7. Ouais. T'es Annie. Oh non. Il paraît que tu as fait quelques heures de conduite pendant le stage, raconte-nous. On a conduit une petite voiture de golf et sans puis permis. Ouais, sans permis. Et Ambre, je lui ai appris à différencier la pédale de l'accélérateur et c'est pas vrai. Quel suspense. C'est grave. Ah mais c'est moi. Tu t'amuses. Elle a déjà dit. Tani, comment c'était en termes de vitesse et d'intensité? En termes d'intensité, franchement, ça allait parce qu'ils essayaient de nous réguler pour être en forme pour l'OPO. Du coup, on avait beaucoup de temps de récup et les temps d'effort, ils étaient assez courts.